Salut à tous, c'est Emeline et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Hayden. Bonsoir Hayden, comment vas-tu? Ne pars pas maintenant. Bonjour, bon. Bah écoute, ça va tranquille. Ne pars pas maintenant parce qu'on va négocier. Déjà, on va négocier quelque chose. Oui, ça va, commandant Zayen. Ouais, ça va, ouais. Voilà. Alors, oui, je rappelle ma série RP qui se trouve en description à chaque fois. Donc, ouais, Hayden, pars pas, tricheur. Ah, oui, merde, c'est vrai. J'arrive. Donc, aujourd'hui, petit parcours revanche. Pour ceux qui se souviennent, j'avais rage quit. J'ai quitté ma chambre. Je suis sorti de ma chambre tellement j'avais ragé. Est-ce que cette fois-ci Eden ou Unwin va gagner? Vous votez dans les commentaires selon vous qui va gagner. Et ça va être beau. Et je trouve alors que... sur cette vidéo, parce que je sais pas si je la sors mercredi ou je la sors. Je pense plus mercredi. Elle sort quand elle sort. Voilà. Faut dire comme peut-être ça. Que je suis au Parc des Princes, peut-être que j'y suis pas. Parce que bon, pour ceux qui savent, je vais au Parc des Princes. Peut-être qu'il est dans les loges avec Neymar, peut-être pas. Voilà. Je sais pas. Donc d'ailleurs, vidéo qui arrive aussi bientôt, je pense vendredi ou samedi, vidéo sur le match. Voilà. Donc est-ce que t'es chaud, Eden? Alors. Bah écoute, juste avant de commencer, j'aimerais préciser un truc. Vas-y. C'est moi ou cette voiture ressemble à un zizi? C'est vrai que voilà. Ça ressemble à un zizi. C'est tout. Mais c'est tout. Alors Eden, aujourd'hui, on avait misé un resto la dernière fois, donc là on va miser un peu plus. Ouais. Ouais, mais okay. La dernière fois, tu t'es barré, quoi. Donc le gagnant. Attends, je prends des forces, vas-y, attends, je boive un peu et vas-y. Le gagnant repart avec. Avec Neymar. Eh bah tiens, pardon. Vu que je pars bientôt, bon, je peux pas le dire encore au baban, mais vu que je pars bientôt, pars avec un billet d'avion au choix en Europe. Voilà, oh, pas en Europe. Pas, ah ouais. Un billet d'avion. Ah, je peux pas retourner à Los Angeles ou, quoi. Ou un billet au choix ou parce 200 que... euros. Voilà. Ouais, mais parce que moi j'aurais bien été à Los Angeles pour l'article 13, comme ça je l'aurais fui et puis j'aurais pu continuer à faire des vidéos. Moi aussi je vais faire l'article 13. Ok, t'es prêt? 3, vas-y. 2. Non, attends. Je propose que le gagnant repart avec l'article 13. Voilà, allez, le gagnant repart bon, avec l'article 13 de YouTube. 1, c'est bon, 2, vas-y. 3, go. De toute façon, il y a un ralentisseur, alors. Allez, cagette à fruits. Oh, cagette de fruits. Ah, cagette de fruits que tu es là, oh. Moi, je sais pas limiter les Marseillais, mais dédicace à vous. Non. Ah ouais, ça va commencer. Donc c'est Guiz qui a créé le parcours au passage. Ouais, bah Guiz. Apparemment c'est pas. Waouh. Attends, je baisse juste le son du jeu parce que je crois qu'il est un peu trop fort. Je me suis envolé. Alors. C'est hard hein. Ah bah ça. Eh, c'est plus une moto ça. Ah là là. Wow. J'ai fait la même chose. D'accord, faut y aller vraiment doucement quoi. Eh vas-y. Les bruitages ils sont stylés. Il est magnifique. Allez. Eh vas-y, au bout d'un moment on est humain. Au bout d'un moment on est humain. Eh, tu sais quoi, y'a personne qui va finir le parcours. Chacun va rester chez lui. Oh. Mais qu'est-ce que. Vas-y, Guiz, fais pas des trucs comme ça, Guiz, on t'a déjà dit. Non, mais il abuse tout le temps, ce type. Hein. T'inquiète, ça passe. Ok. Je parle pas. Hein. Moi non plus. Je suis concentré, les gars. En plus, il aime bien, tu sais, ouvrir à chaque fois les trucs, tu sais, faire un trou ici qui peut pas juger le trou. Oh putain. Je suis tombé au point. Oh my god, mais c'est trop bizarre. Oh punaise. Mon dieu, t'es tombé à la fin, je pensais que t'allais y aller. Je pense aussi. Eh, mais il tourne pas, hein. Wow. En fait le truc c'est celui qui a le premier point en fait, c'est ça? C'est ça je crois, ça va être ça la course en fait. Mais regarde. C'est dégueulasse comme véhicule, c'est horrible. Plus va loin, plus il va aller dans des pays plus loin. Okay. Allez. Bon, sincèrement. Oh là là. Ça fait. Ah!
punaise. Oh, vas-y, au bout d'un moment, on est humain, quoi. Ça fait 4 minutes 50 de l'étude. Moi, je propose, on se téléporte dans une autre course en faisant un backflip. Hein. C'est quoi ça? Attends, attends, y'a moins que. Ah, ce putain! Ah, backflip! Ça se passe pas comme prévu. Tu sais quoi, c'est le premier 4 points, il a gagné le premier point. Oh my god, je vais l'étrangler un mur. Un jour, je vais l'avoir en face de moi, Guise. Je vais laisser ça, Guise, que je vais t'étrangler. Ok. Je rigole, un jour, t'es là en face, il dit quoi? Étrangle-moi maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, sérieusement. Ouais. Mais regarde! Allez, ça va. Je t'ai vu. Eh, sérieux. C'est ça. Eh, c'est stylé quand on fait les backflips. On sait que c'est la mort assurée. Je pense qu'on va faire celui qui fait le plus de backflips et puis c'est tout, hein. Ok. Oh punaise. Mais c'est pas possible ici. Ça fait 5 minutes. On est d'accord, c'est pas possible, oh. Eden. Ça fait 5 minutes. Oh punaise. Les gars, on m'attend même lâche ton body, plus sérieux. Allez, on le fait, allez, on se calme. Allez. Non mais sérieux, c'est pas possible. Allez. Je me vois bien aller en Chine là, allez, vas-y. C'est pas en Europe. Hein, hein? Bah la Chine, c'est pas en Europe. Ah bon? Mais si, je le vois sur la carte à chaque fois. Oula, par contre... Je le vois sur le globe à chaque fois. Hey, vous savez quoi les gars? Ouais, hey, sérieusement, c'est trop pour nous. Celui qui a le premier point, allez. À mon avis, c'est le dernier essai. Si j'y arrive pas, les gars, je me téléporte dans une autre course. Allons. C'est rebonsoir, les gars. Mais reviens, reviens, wow. Reviens. Ah ouais, merde, attends. Oh, désolé, on a un fou rire parce que. Parce qu'en fait, le parcours il était trop hard pour nous alors. Wow. T'es prêt, Eden ou pas? Je suis prêt. 3, 2, 1, go! Ok, c'est parti. Bon, j'espère donc qu'il va pas être hard. Hein. Waouh! Et c'est la mort entre nous. Allez. Direct. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tabat, oh, Eden. Oui. Mais qu'est-ce que tu fous là? Me dis pas que t'es bloqué. Non, je suis passé. Allez, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ok, c'est bon. Clairement. Merde. 88 emails. Il a dit. Ok, c'est bon. Oh punaise, ça fait plaisir. On n'avait jamais autant rigolé là, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai en plus. Alors. Oh punaise. A chaque fois qu'on est à deux en vidéo, on est obligé de rigoler, c'est fou, je sais pas pourquoi. Je me suis précipité. On est. On est con. Ok, c'est bon. Ouais, t'as eu le point. En fait, la salle, il nous déconise. Je sais pas si on peut dire. Ça veut rien dire. Mais en fait, il nous rattrape dans la connerie. Et nous, on continue dans la connerie. En fait, c'est ça le truc. Ok. Quoi? T'as un forceur, je te jure. Eh gros, t'as un gros forceur. Y'a pas plus gros forceur que toi. Ah bah ça. Faut aller doucement. T'abat la mine, ma mère, t'abat. Allez, allez, les bleus. Ramenez la coupe à la maison. Quand tu chantes, j'ai le constant qui danse. Ramenez le billet d'avion à la maison.
Par contre, Eden, c'est de la triche que tu viens de faire. Hein. On va rester à la maison. Ok. Allez, doucement. Stop, Aline, au bout d'un moment, je peux te dire que c'est fini. Attends, on dirait un crocodile le truc là. Ok, C'est c'est stylé bon. ici. Eh, son parcours est vraiment pas mal. Il est. C'est une On fille se qui l'a croirait sur un. créé. Hein? C'est une fille qui l'a créé. Pourquoi tu me dis que c'est Guise? Non, ça c'est une fille ça. Ah, ok. Bah, le parcours est pas mal quand même. Donc, fille ou pas, Franchement, c'est c'est une très créatif. très bonne Voilà. créatrice. Oh, calme, calme, calme. Elle est très forte, elle crée bien. Hop. Il essaierait pas de la pécho par hasard? Non. Ouah, c'est bon finalement. Oh le bas, tu me crées bien même pas. Attends, je regarde les compagnies aériennes là. Je vais prendre le bus, je En plus, j'ai même pense. pas le point final, quoi. Je crois que je vais prendre le bus, ça te coûtera moins cher. Parce qu'avec les. Vas-y, c'est bon. Écoute, Eden, bah tu peux aller où tu veux. Alors, écoute, je propose que ce soit les gens qui décident où aller. Donnez-moi des pays en Europe vraiment bien. Ou... Parce que moi, j'ai pas idée en fait. Moi, les seuls trucs que je connais, je pense que toute Bah, personne. moi, il y a la... déjà, j'étais en Turquie, donc il y a la Turquie. Moi, tu as envie de Après, dire Turquie, tous c'est les. aussi Asie, donc oui, c'est bon, je t'autorise. Tous les gens, je pense qui sont comme nous et Nune, qui ont grandi un peu dans la crise, je pense qu'ils connaissent, je crois qu'ils connaissent la France, l'Espagne. Donc du coup, je propose que vous choisissez à ma place et que Nune, bah, n'hésitez pas, hein, payant, hein, c'est pas grave, hein, ça me dérange pas de payer Écoute, abusé. Hein. moi, Eden, j'ai des destinations proposées. Turquie, déjà c'est pas mal. Ouais. Italie aussi, ouais, on a oublié l'Italie, c'est pas mal aussi. Ouais, mais tu vois, c'est quoi le mieux? C'est, tu penses que c'est la Bah ville? attends, mais on a dit je te paye l'aller, mais pas le retour, c'est-à-dire je reste là-bas. Hein. Attends, c'est pas grave. Non, mais par contre, Ou alors tu vas en Russie. non, mais là, c'est un dilemme que je vais poser en question. Tu vas être KO. Alors, le mieux, c'est quoi? L'avion, le bus, Sinon, la voiture. on peut demander l'avis, on peut demander l'avis de quelqu'un. Attends, je vais essayer de. Non, mais attends, moi je te demande si toi t'es chaud, regarde. Tu préfères quoi, Nune? Tu préfères payer quoi? L'avion? La voiture? Bah non, Ah bah on l'avion. l'avion. Ou alors les gilets jaunes. C'est comme tu veux. Oui, Hein? bonsoir, enfin, Oui, monsieur bonjour, Julien, direct Jules. de la vidéo. Ah, vous voulez vous moquer de moi, c'est ça? Non, 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 vous bah êtes en non, direct de ma vidéo. pas. Et en fait, Eden a gagné un magnifique vol en Europe et il veut des conseils. Donc, vu que t'es un bon conseilleur, bah, il cherche une Ouais. destination. Qui ça? J'avais Eden. moi, j'avais pensé à aller en Chine et je En sais pas Europe? trop En si Chine, ça. c'est pas en Europe, quoi. Donc, je lui ai dit. Oh là là, quel boulet. Et il me dit, ouais, mais non, mais la Chine, je la vois sur la carte. Je lui dis, oui, mais c'est pas en Europe. Ouais, la carte, c'est pas une carte de l'Europe, hein, tu sais. Donc moi je vais conseiller Turquie, Italie. Mais on voulait te demander, Jus, et quel homme de l'ombre? On aimerait te demander si tu veux participer au financement du voyage avec tes 30 Je savais que c'était pour vous moquer. Je te Vous jure que m'appelez j'ai pas coupé la à vidéo. l'improviste. Non mais je Quand te vous m'appelez jure, à on est l'improviste. vraiment en vidéo, hein. En plus, donc vous m'affichez devant tout le monde, vous avez expliqué. Oui. C'est un bad, Léden. Je te jure, c'est un bad. Heureusement que je coupe les enregistrements entre les pauses de course parce que. T'inquiète, Julien. Juliette. Non mais t'inquiète, moi je suis là, moi je... on est là. Non Ouais, mais on est là. sérieusement, la question c'est quelle destination en Europe? Bah pour quand? Ça dépend. Bah pour le plus vite. Là, pour le nouvel an? Ouais. Un nouvel an, Londres c'est sympa, Barcelone c'est sympa.
Qu'est-ce qu'il y a à Lisbonne, c'est ça? J'avais pensé à la Punta Cana, mais je sais pas si c'est bien. Mais toi, vas-y, t'en sujet. Oui, en Europe d'Amérique du Sud, c'est bien aussi. Ouais. Hey, lui, il en peut plus, je te jure, faut le virer de la gueule. Le problème, c'est que Eden, en géographie, honnêtement, t'as déjà eu plus que la moyenne? Franchement, non, jamais. Apparemment, il a eu 2 au bac. Genre même au CP quand il te demandait de montrer où est Paris. Moi, sur quand la carte, on m'a dit Bordeaux, tu le mettais en Irlande. Moi quand on m'a dit Bordeaux, j'ai dit c'est une couleur, monsieur. Ah ouais. Mais le pire, c'est que les gens savent pas que c'est vrai. Parce que ce qui est marrant, c'est que les abos, quand je vois les commentaires, ils pensent que vous faites semblant d'être con. Alors qu'en fait, moi je connais la vérité. Et ah je bah... sais que c'est vrai. Tu sais qu'il y a des messages qu'on s'écrit sur Skype, je prendrai screenshot parfois pour me les rappeler plus tard. Qu'est-ce que tu m'as sorti cet après-midi où je t'ai dit toi bien parler la France? Qu'est-ce que tu m'avais sorti? Je te l'ai échangé parce que c'était voilà. Pour un peu un accent du sud, quoi. C'est ça. Mais lui, il fait l'accent plus les fautes de grammaire. En fait. Du coup, tu comprends plus rien. Ah ouais. Et du coup, est-ce que t'as un message pour les babouins qui nous regardent, Julien? Bah oui, très important, de continuer de regarder les vidéos, mettre la cloche, parce que sinon, bah 30 balles quoi. Donc ça serait bien de continuer à... Et qu'est-ce que t'en penses toi de l'article 13? Si on veut l'interviewer. on met tout dans le paquet. Article 13, rien du tout, ça va passer, tranquille, si les gens se mobilisent un petit peu et que ça bouge, ça signe les pétitions, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va bene, et voilà. Bah écoute, merci à toi. Et donc toi tu travailles chez Twitter et Facebook. Merci à toi Julien, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.